Match de la saison, bon, c'était un match qu'on peut juger normal, correct, vu la lourdeur des jambes du début du championnat. Je crois que c'était un match vraiment plaisant et ça a répondu aux normes des deux équipes. Bon, les consignes des deux gens, c'était de rappeler les joueurs à l'objectif, qui est un objectif qui n'est pas, facile au niveau national. Mais bon, avec l'effectif qu'ils ont et l'engagement et la motivation des joueurs, je crois qu'on va essayer d'y arriver. Hein. Oui, je le pense, mais je crois qu'on est prêt pour ça et on fait notre travail pour ça. Après avoir été mené rapidement au score et après être en supériorité numérique, quelles auront été vos consignes? Bon, on a pris un but contre le cours du jeu. Bon, c'était un peu difficile parce qu'on ne s'attendait pas à prendre un but aussi rapidement. Bon, ils se sont saisis à la mi-temps, ils ont un peu respecté les consignes et ça a donné l'égalisation. Merci. Merci, Jean-Claude. Je voudrais remercier le studio, l'attimam, l'attimam, راضي عن النتيجه كانت اعتبرها كانت ايجابيه بالنسبه لنا لان مباراه نحن جايينها نواكشوط والحمد لله لان حققنا التعادل رغم فرص ضايعه عديده الحمد لله ان تحققنا التعادل الدوري مازال بالبدايه ومازال قدامهم اكثر راضي عنه بعد نادي سنين مع نفس النادي خريج اللاعبين اللي فيه ما هو من الانديه اللي يشتري لاعبين خرج لاعبين من مدرسة سنيم الحمد لله لاعب من شباب كيف ما شفتوا اليوم وعنده مرض بعد انا شفتوا كاع اليوم في التيرا وبس المباراة الماضية كانوا لاعبين ممتازين اعتبرهم الاندية لباس بهم ولي وجلبوا لنا اضافة لباس المباراة الجاية ان شاء الله يلا تعود فوز لا بديل للفوز ان شاء الله لا شعار غير الفوز ان شاء الله ان شاء الله j'aimerais avoir vos impressions d'après match. Bon, c'est pas facile pour nous aujourd'hui parce qu'on a perdu un jour de la première mi-temps, on a joué à 10 et que là, on a tenu jusqu'à 2 minutes de la 12 à 10 minutes de la fin et on a c'est pas mal pour nous de prendre un point. Jouer à 10 jusqu'à la 80e minute, c'était pas facile. Donc ça me réconforte de prendre un point, c'est pas mal. Après avoir mené au score assez rapidement, quelles ont été vos consignes par rapport à vos joueurs pour essayer de maintenir le score? Bon, je les ai dit à la mi-temps, ce sera très difficile. Perdre un jour et mener au soir, là, ils vont essayer de bousculer. C'était de reculer, de jouer en bloc défensif. Dès qu'on perd le ballon, tout le monde se remplace le jour qui est perdu. Donc, c'était les conseils que je leur donne. Chacun remplace le jour qui est perdu. Donc, c'était un regroupement défensif en bloc. Et là, on a pu tenir sur ça pendant 80 minutes. C'était très dur pour les joueurs. Et là, sur une erreur défensive, on a encaissé un but. C'est pas grave. Connaissant l'envergure d'un club comme l'ASX Arc, qui est un club historique de la Mauritanie,
Pensez-vous que quel est l'objectif du club cette saison? Moi j'ai un contrat pour 2 ans. C'est pour donner à Khazar son blason d'avant. Donc c'est pour faire revenir Khazar ce qu'il était avant. Donc j'ai un contrat de 2 ans et sur les 2 ans, il y a des objectifs intermédiaires. Cette année, on veut être parmi les 2 premières, être finaliste de la Coupe du Sénégal et l'année suivante, d'essayer d'être champion. Donc c'est ça les objectifs. Donc pour en revenir au match, vos consignes avant le match, c'était un match nul. Vous vous en contentez? Non, ce n'était pas un match nul. On joue à domicile parce que là, ils sont venus en déplacement. Quand tu reçois et que tu prétends être premier ou deuxième, il faut gagner chez toi. Mais avec, dans les conditions qu'on a jouées à 10, ce n'était pas facile, ce n'était pas évident de gagner, quoi. Au cours du match, ce n'était pas gagné. Mais quand on a marqué le but, si on était à 11, peut-être ça allait marcher, on aurait conservé les scores. Mais ce qui s'est passé, là, c'était pas facile, c'était pas facile de gagner. Trouvez-vous l'expulsion de votre joueur logique? Un peu, pas logique, mais c'est les décisions de l'arbitre. Donc c'est l'arbitre, c'est le maître du terrain, donc il a décidé peut-être. Il a vu mieux que moi, mais c'était pas ma conviction. Pour moi, c'était un carton jaune. Une question personnelle. On connaît tous ce que vous avez fait avec l'FC Tavarexena. Et à présent, comment vous sentez-vous dans votre nouveau club? Non, je me sens très bien. J'ai des défis à relever, je me sens très bien. C'est pas facile de venir s'adapter très vite parce que là j'ai fait 4 ans à Tavarexena, là j'ai vu avec un nouveau club, un ancien club, un club où il y a beaucoup de pression, j'essaie, mais là j'espère que je vais assumer ma responsabilité. Est-ce un projet à long terme ou juste un tremplin là et c'est que ça? Non, ils ont un projet à long terme parce que le football il faut travailler dans la durée, donc il faut travailler dans la durée pour avoir des résultats. Ouais. Merci coach. Merci. Bonsoir, donc j'aimerais avoir vos impressions d'après match vu. On a tous vu que c'est un match assez difficile pour votre club, réduit rapidement en 10 et mener un score. Donc bon, on a bien débuté le match, sauf maintenant, dès la 28e minute, on a eu un rouge. Et ça c'était trop difficile de jouer à 10 contre Snim, une équipe prétendant pour le championnat. Donc on a tout fait pour garder le score, mais on n'a pas pu, c'était difficile. Ils étaient tout le temps en haut, ils venaient. C'était difficile de garder score. Mais maintenant, on a eu 1 point. C'est bon. On a 4 points et c'est bon pour le championnat. Quelles ont été les consignes du coach à la mi-temps, vu que vous étiez réduit à 10? On a eu les consignes de souder, d'être soudé et de nous donner à fond, de garder, d'être bon sur toute ligne. Mais on a tout fait. On a tout fait, mais on n'a pas pu. Vu que vous avez tenu pratiquement tout le match, qu'est-ce qui s'est exactement passé jusqu'à cette minute fatidique où quand ça doit trouver l'égalisation? Manque de concentration, un petit manque de concentration et c'est le but. C'est tout le temps comme ça. Avec votre effectif actuel, vous pensez que vous pourrez avoir un résultat cette saison? Ouais, on va faire un bon championnat, Inch'Allah. Cette fois, on va prendre le championnat ou prendre la coupe. Ouais. Vous êtes très confiant? Ouais, bien sûr, on est bon. Et on va prendre le championnat, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, Darien. Merci.